Le CCI Viking Summit, c'est l'événement anniversaire du service CCI Viking qui accompagne les projets innovants et numériques du territoire. La journée a démarré par des ateliers sur l'agilité, l'expérience UX, l'expérience utilisateur, et également sur le design thinking. Pourquoi ? Pour que les entreprises existantes puissent aller vers l'innovation et initier de nouveaux projets. Ensuite, il y avait ce concours de pitch auquel ont participé 7 startups. Les membres du jury se réunissent. Les sociétés qu'on a pu suivre aujourd'hui sont dans le domaine industriel, mais également dans le domaine culinaire ou dans le traitement de l'image. Voilà, des sociétés innovantes. On a vu 7 projets cet après-midi, très différents. Ça m'inspire beaucoup de passion. En fait, on voit des entrepreneurs qui aujourd'hui ont des idées, qui osent les imposer et qui osent un peu casser les codes, casser les systèmes. Beaucoup de bonheur, et avec beaucoup d'intérêt, et avec beaucoup de passion. J'ai apprécié déjà ce moment parce que du coup j'ai trouvé que les participants étaient forcément très impliqués. J'ai aimé pour la plupart leur enthousiasme. Et nous poursuivons par un speed meeting où là les entreprises innovantes vont pouvoir mieux se vendre et se développer commercialement sur le territoire en rencontrant des éventuels prestataires et clients. Moi je suis venu pour présenter l'état d'avancement de mon activité sur la partie développement à façon plus industrielle notamment. Et l'objectif c'est de pouvoir présenter où j'en suis et de pouvoir échanger aussi avec d'autres dirigeants de sociétés qui ont, pas sur le même secteur d'activité, mais qui ont les mêmes problématiques que les miennes. Aujourd'hui, la Végisserie crée des desserts pâtissiers et des glaces réduits en allergènes. Nous sommes une innovation sur l'agroalimentaire puisque ce que nous faisons n'existe pas à proprement parler sur le marché actuellement. Et donc CCI Viking Innovation nous accompagne pour le développement de l'entreprise. Nous sommes une entreprise qui fait de l'inspection par drone en milieu industriel. Aujourd'hui, on est venu présenter notre pitch et ce que nous faisons à la CCI. On est labellisé CCI Viking. Et c'est la deuxième année que l'on fait ça. Pour nous, c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes du tissu économique local, de faire du réseau, de recevoir parfois des recommandations et pouvoir également en donner en fonction de ce qu'on entend chez d'autres personnes, en fonction de leurs activités. Enfin, nous clôturons par une remise de prix. Suite à ce concours, 3 prix seront remis, le prix du jury, le prix du challenger et le prix du public. Et enfin, une conférence qui sera réalisée par Catherine Testa, membre du jury. Dans la conférence que j'anime ce soir, qui s'appelle « Oser l'optimisme », mon envie, c'est vraiment d'expliquer à chacun qu'on peut avoir peur des grands défis que notre société va nous imposer, en fait, et de toutes ces transitions qu'on va vivre par rapport à tout ce qui est digital, numérique, changement, transformation. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on peut inventer les pires scénarios ou créer les meilleurs. Je suis optimiste, mais je l'ai travaillé à la base. J'ai travaillé pendant des années dans le développement durable, dans le marketing, et je me suis dit que notre société, il fallait vraiment qu'on y réfléchisse un peu différemment et qu'on innove, et j'ai travaillé mon optimisme.